Par rapport à mon projet de recherche ici à l'UEA, je dois dans un premier temps dire que ce projet s'inscrit en droite ligne de mes travaux antérieurs, parce que j'ai consacré l'essentiel de mes recherches sur la culture matérielle, notamment l'artisanat, avec tous les produits de la production aux usages. Et justement, c'est dans cette mouvance-là que je me suis rendu compte que dans les objets qui sont produits, il y avait un nombre d'entre eux qui avaient des rapports avec, avec la violence. Et si ce rapport est arrivé, c'est aussi parce que depuis quelques années, je suis impliqué dans nombre d'expertises avec les Nations Unies dans le cadre de leur déploiement humanitaire en rapport avec les réponses par rapport à la crise de Boko Haram. Et j'ai été donc impliqué dans nombre de ces projets-là comme expert sur les questions d'extrémisme violent. Et c'est surtout en faisant le terrain, en regardant un peu toute la dynamique autour de Boko Haram, avec donc ce foisonnement d'objets, hein, cela m'a très rapidement motivé à regarder un peu le rapport entre la production de ces objets-là et regarder un peu aussi du côté de la littérature. En parcourant un peu la littérature sur la violence, hein, je tiens à préciser que la violence est un sujet qui a été abondamment investigué par les chercheurs. Et je me suis rendu donc compte que on a beaucoup travaillé sur la violence, violence, les faits violents, sur les facteurs de la violence, sur les conséquences de la violence. Mais on semble avoir accordé très peu d'intérêt sur le matériel avec lequel on pose les actes de violence. Et c'est ça qui m'a résolu donc à formuler ce projet de recherche-là qui me semble assez original sur la question de la violence dans le bassin, dans le bassin du lac Tchad. Et en menant dans un nombre de d'investigations, je me suis rendu compte que non seulement il est évident que la violence dans le bassin du lac Tchad plongeait ses racines dans un passé lointain, il y a eu donc nombre d'épisodes depuis la période précoloniale jusqu'à aujourd'hui, qu'il s'agisse des razzias d'esclaves, des luttes hégémoniques entre les entités précoloniales qui avaient été fondées, les violences intercommunautaires, souvent pour le contrôle des ressources, les violences relatives aux conquêtes et résistances face à la pénétration coloniale, les violences même de la période coloniale et l'émergence du grand banditisme rural et urbain, le phénomène des coupeurs de route autour des années 90 jusqu'à l'actuelle crise de Boko Haram, dont on se rend compte que il y a donc une succession d'épisodes de violence dans l'espace bassin du lac Tchad qui aujourd'hui prend en compte des pays comme le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria, qui est le pays qui a vu naître donc Boko Haram, qui est devenu aujourd'hui le plus grand défi auquel ces États-là font face. Alors, en regardant un peu toute cette dynamique historique-là, on se rend compte que ces violences-là ont laissé des traces
qu'il s'agisse donc des traces immatérielles, un peu les souvenirs et autres, et il y a aussi les traces matérielles. Hein, et au rang donc de ces traces matérielles-là, figurent bien évidemment les objets. Il y a donc nombre d'objets qui ont un rapport avec donc ces différents épisodes depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui. Donc on a des objets anciens, des objets récents qui constituent des matériaux importants pour pouvoir reconstituer l'histoire de la violence dans la longue durée. Et je voudrais préciser aussi que justement dans le champ de l'histoire et surtout l'histoire de l'Afrique, il se pose avec acuité un problème de documents, un problème de sources. L'histoire s'est fait avec les sources. Les sources écrites, oui. Mais lorsqu'on souscrit à l'hypothèse selon laquelle l'histoire se fait avec les documents écrits, on se rend compte, pour ce qui concerne l'Afrique, que c'est un continent qui a connu un peu l'écriture tardivement. Hein? Ce qui voudrait dire qu'il y a une bonne partie de l'histoire de l'Afrique qui manque de documents écrits. Or, il y a à côté des écrits, il y a donc nombre d'éléments qui peuvent être pris en compte dans la perspective de l'histoire, de l'écriture de l'histoire de l'Afrique. Et j'inscris un peu ma recherche dans la continuité de l'école des Annales, cette école-là qui a été fondée en France autour des années 30, avec des figures de proue comme les Marbloch, les Lucien Febvre, les Fernand Braudel, qui stipulent que l'histoire doit se faire avec les documents écrits, oui, mais l'histoire peut et doit se faire aussi avec autre chose, notamment les objets, notamment les données de l'archéologie, des morceaux de fer, ainsi de suite. Donc, ce qui voudrait dire que si certaines époques de l'Afrique manquent de documents, on peut plutôt contourner pour s'appuyer sur un certain nombre d'éléments, notamment dans les objets, la tradition orale, les contes, les légendes, les mythes et autres. Donc, mon projet donc repose sur l'exploitation des objets qui constituent un peu des sources muettes qu'il convient donc d'inventorier, de décrypter pour en tirer un maximum d'informations, des informations qui sont donc utiles pour l'écriture de l'histoire. Donc il s'agit d'une autre façon de faire l'histoire, non pas sur les archives écrites, mais sur des objets témoins, des objets qui apportent donc des témoignages sur des pans du passé, sur des pans donc, de l'histoire. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur ce projet de recherche-là qui constitue une autre façon, une autre piste pour étudier l'histoire, la longue histoire de la violence dans le bassin du lac Tchad. Donc, qu'il s'agisse donc des razzias d'esclaves, qu'il s'agisse donc de la période des conquêtes et des résistances, de la colonisation, du grand banditisme ou bien du phénomène de coupeur de route et jusqu'à Boko Haram aujourd'hui, il y a donc nombre d'objets qui ont été utilisés et qui sont encore utilisés pour commettre des actes violents et c'est sur ces éléments-là que repose donc mon projet de recherche ici à Lyon.